Alors Antonin, il est bon ce goûter ? Oui ! Antonin, mais qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai pas fait exprès, c'est la voiture ! Mais Antonin, tu pourrais faire attention, il y en a partout ! Faut que je ramasse tout maintenant ! Tu crois que j'ai que ça à faire ? Et si on faisait autrement ? Alors Antonin, il est bon ce goûter ? Oui ! Antonin, mais qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai pas fait exprès, c'est la voiture ! Bon, c'est pas grave, mais il faut que tu fasses attention, tu sais. Tu as vu, il y en a partout par terre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, à ton avis ? Il faut les ramasser ? Exactement. Alors je vais te donner la balayette et la petite pelle, et pendant que je continue à préparer le repas, tu vas tout ramasser, d'accord ? Il faut mettre les coquillettes dans la casserole, ensuite on les rincera ensemble. Regarde bien partout, parce qu'elles sont coquines ces coquillettes. Elles adorent se cacher dans les coins. Et voilà! C'est parfait, Antonin. Tu vois, tu peux être fier de toi. En cas de maladresse, invitez calmement l'enfant à réparer son geste par lui-même. C'est plus efficace et constructif qu'une punition.